Je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Cyberpunk. Avec Vili, on est là, on est beau, il fait nuit, et pour autant c'est pas pour, c'est pas parce qu'il fait nuit, voilà, qu'on va tolérer le monde extérieur chez nous. Bienvenue dans Cyberpunk, et j'ai un petit peu joué Brave Jean de mon côté, pour être plus exact. Je me suis baladé, et plutôt que de résoudre des points d'interrogation ou assassiner des gens, j'ai principalement commis des crimes, et j'ai essayé de comprendre un peu comment fonctionne un peu plus avant le jeu. J'ai réussi à obtenir des armes dignes de ce nom, je n'ai pas dépensé mes points d'attribut, ce que je vais faire tout de suite, et j'ai 9 points d'avantage disponibles, donc c'est vrai que c'est plutôt intelligent. Constitution, c'est quoi? Anéantissement, level 3, combat de rue très peu, athlétisme un peu, parce que ça monte vraiment pas vite. Réflexe, arme de poing, là par contre, il va falloir que je dose à donf. Augmente les chances d'infliger un coup critique, ça me paraît essentiel. Augmente le multiplicateur des dégâts de tir dans la tête de 10%, mais ça c'est la violence. Augmente les dégâts de pistolet, augmente les chances d'infliger un coup critique, tout à fait. Mais d'abord on va se mettre un peu en capacité technique, notamment ingénierie ou fabrication. Fabrication, j'ai gagné masse de level parce que j'ai, j'ai des castes. J'ai pas des castes, mais j'ai détransformé des tas d'armes, comme par exemple ce truc au caca là, hop. Voilà, je l'ai transformé, ça aussi, boum, ça devient du matériel comme vous pouvez le voir, que j'ai vendu en masse pour me faire du pognon. Et donc maintenant, j'ai quelques plans de fabrication, quelques plans d'amélioration qui sont disponibles et je me suis permis de le faire, si tu veux. Comme par exemple cette veste de l'école du loup que je ne peux pas améliorer puisqu'il manque un composant. Sur ce, j'ai tout perdu. Côté points, j'ai pas regardé ce que je voulais faire. Je veux pas jouer sans froid parce que c'est la furtivité. Apparemment, c'est complètement pété. J'aimerais bien jouer à l'intelligence, notamment les piratages rapides. C'est pour ça que j'ai mis des points dedans. Démon sommeil. Démon vulnérabilité de masque. Réduit la résistance physique de tous les ennemis du réseau pendant de 30% pendant 3 minutes. Ça a l'air absolument... absurde, ça a l'air juste absurde. Pendant 6 minutes, je peux mettre un deuxième point pour 6 minutes, mais 6 minutes, à mon avis, vulnérabilité de masse. Tous les ennemis du réseau, tous les ennemis sur réseau de 30%, level 7. Je vois pas quelle est la... Ah, résistance, d'accord, c'est toutes les résistances, donc les résistances électriques, les trucs comme ça et hop. Augmente le temps de piratage du protocole de piratage de 20%, c'est pas foncièrement nécessaire. Identifie automatiquement les points d'accès à proximité. Ça c'est pas mal ça. Augmente le démon data mining et la quantité d'euros-dollars obtenus par les points d'accès. Ah oui, ça c'est marrant ça, je vous montrerai ça. Je le prends aussi. D'ailleurs, est-ce que je veux mettre 2 points dedans histoire de nous faire de la thune? Piratage rapide, point d'accès, 3 démons, piratage rapide, les caméras, tout ça. J'ai pas beaucoup de choses, on est au début du jeu. Hein. Le piratage rapide a fait 10% de trucs supplémentaires. Les plans de fabrication, œil d'espion. Révèle la présence d'un étrenneur ennemi lorsqu'il essaie de vous pirater. C'est très bien ça, parce que ça m'est arrivé quelques fois déjà. Éliminer une cible affectée par un piratage vous permet de récupérer une unité de mémoire vive. C'est essentiel parce que ça permet d'enchaîner les piratages rapides si tu veux. Et puis voilà, donc ça me paraît essentiel. Ensuite, côté technique, ingénierie, mon objectif est de récupérer ça. Vous permet de charger les armes techniques jusqu'à 75% voire 100% de leur capacité. Et ça dit 9 niveaux d'attributs requis pour développer cet avantage. Alors du coup, est-ce que c'est le 9 niveaux d'attributs requis ou est-ce que c'est 9 niveaux d'attributs requis? Et je me pose la question. Enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. Il faut que je sois level 9 là-dedans en fait. C'est ça. Point d'attribut disponible. Eh, peut-être. Au moins le nombre de composants obtenu grâce au démontage. Mais ça c'est pété, donc on va le prendre parce qu'on se fait grave de thunes avec ça. Mais du coup oui, j'imagine. Donc on va peut-être mettre, j'ai 2 points d'attribut. Et ben on va en mettre un en technique. Et peut-être en constitution. J'hésite, c'est pour ça, parce que ingénierie, vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au niveau 9 avec ça. Et après derrière, moi j'ai des lasers absolument absurdes. Mais on va mettre un en intelligence, ouais. Est-ce que ça nous a débloqué des choses d'ailleurs au passage?
Non, rien du tout, d'accord. Et ouais, bon bah tant pis. Ok, bah très bien, on apprendra de façon au fur et à mesure, ce sont des choses qui arrivent. Niveau supérieur, 4 points d'avantage disponibles. Oui, mais je veux bien, mais dans ce cas-là, on va mettre ça en arme de poing un peu. Augmente les chances d'infliger un coup critique, augmente le temps de rechargement des flingues. Enfin, réduit le temps. Multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête, c'est fumé. Ouais, j'avoue que 30% de dégâts de multiplicateur dans la tête, voilà, ça c'est complètement pété, donc on va mettre tous ces points devant. Et j'ai gardé un point, Zokazu. Parce que c'est somme toute soit fois 8. Mais lui il s'est fait coffrer lui. Ah lol. Personne à gauche, personne à droite. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Pourquoi ça arrive qu'à moi? C'est rien, c'est de l'XP, c'est rien, c'est la street frère. C'est la street. Où est l'ascenseur? Je cherche l'ascenseur. Il est à cet étage, très bien, allons-y. Mais excuse, hein, ça a pris un peu de temps. Pour démarrer, j'ai aussi accessoirement trouvé des tas d'armes, pardon, j'arrête de vous montrer après, hein. Des tas d'armes, et un truc super sympa que je tiens à souligner, c'est que regardez, si je m'en déséquipe, voilà, et que je m'en rééquipe, la première fois que tu t'équipes d'une arme, entre guillemets, que tu la sors de ton inventaire, tu as une petite animation, et je trouve ça, voilà, je trouve ça d'excellent goût. Oh là là, ce fusil, miam, voilà, c'est un fusil sniper. Voilà, et le flingue? Ah non, il fait pas le flingue, c'est pas grave. Oh tiens, il y a une database, on prend ça, allons-y. L'ascenseur, partons, bonjour, là il y a de la police. Plutôt que de se faire repérer par l'inspecteur Poulaga, on va descendre directement au niveau et on se retrouve face à Chelizy entre 18h et 16h. C'est parti. Ah, c'est bon, je suis garé, ça compte. Ça compte, sors, sors. Là, je suis obligé de sortir de l'autre côté, excellent. Petite interruption durant la quête de la mission, nous sommes juste à côté de... Bonjour madame, nous sommes juste à côté d'un crime qui a lieu... Oh, ils ont des tomos! Comment c'est trop frais! Alors excusez-moi, voilà, je les scanne. Et apparemment ces gens sont des criminels et il faut les arrêter d'une manière ou d'une autre. Alors, comment on va pouvoir procéder? Videur animal, protocole de piratage. D'ailleurs, à ce propos, protocole de piratage, il faut que je m'en équipe, non? Du protocole... machin chose. Matériel cyber. Système d'exploitation. Mode disponible. Dysfonctionnement d'armes. Dysfonctionnement de matériel cybernétique. Très bien. Donc ça, ça les empêche. C'est très bien. Et enraye l'arme de la cible. Ça, c'est pas mal. Redémarrage d'optique. Court-circuit, c'est pas mal aussi. Mais c'est pour ça. Mais comment ça marche, les protocoles? Putain. J'ai aucune idée de comment ça marche. Protocole de piratage. Wait, c'est peut-être... Ah, vulnérabilité de masse. 55-55 BD. Très bien. Donc 55... fais voir que je me gourre pas. 55-55 BD. Voilà. Et voilà. Diminution. D'accord, effectivement, d'accord. Et là, il a piratage de masse. Donc hop. Et ça pirate tout le monde. Et maintenant, ils ont 30% de résistance en moins au dommage. Donc de ce fait... On prend le pistolet, on vise, et on tire. Oh, il est agile, lui. Oh là là. Crève, sale fils de pute. Muda, Muda. Ouais, bah, bien tenté, hein. Merci d'avoir joué. Voilà. Bon, voilà. Agression en cours. Neutraliser les criminels et récupérer les preuves. Très bien, parce qu'ils avaient pas l'air d'agresser grand monde, hein, je vais être sincère. On va prendre tout le matos qu'il y a sur lui, excellent, j'ai récupéré une arme, une éclat. C'est ça? C'est ça qu'il fallait récupérer? Attends, scanne la zone, scanne la zone, scanne la zone. Il y a quelques items, on prend ça, ça qu'est-ce que c'est? Ah oui, petite astuce que j'ai découvert parce que je me suis baladé un peu partout. Et à un moment, j'ai désenchanté des trucs et je me suis rendu compte d'un truc. Et apparemment c'était une astuce qui était très connue. Sauf que je l'ai découvert tout seul comme un grand, mais personne ne me croira jamais si tu veux. Voilà, très bien. J'ai remarqué que... vous pouvez vendre, pardon, excusez-moi, je le dis, c'est pour ça que j'ai tant de fric. Vous pouvez vendre votre matos de craft, comme les composants d'objets communs et les composants d'objets peu courants, à des marchands. Et ça vaut genre 2 balles pièce, 3 balles pièce, 4 balles pièce, c'est pas grand chose si tu veux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que vous pouvez acheter une canette pour 10 balles. Or, une canette de boisson, une canette de speed. Tu vois, alors, regarde, j'ai 7 Nicolas Fire là, donc voilà. Je vais en désenchanter une. Et j'ai eu 4 composants et 6 quelque chose. Bref, j'ai fait environ 5 fois la valeur de la canette.
Voilà. Donc voilà, ça a pas l'air comme ça, mais c'est complètement pété. Voilà. Ouh, des grenades aveuglantes, ça c'est bien, j'aimerais bien mon... C'est complètement pété, ça marche pas avec tout. Ça marche pas avec tout, ça marche avec les camelotes. Moi personnellement, les camelotes, je ne les vends pas, je les décaste. Là, j'ai décasté un collier qui avait 750 balles de valeur, je regrette, mais bon, je regrette pas. Je décaste les objets et ça fait un pognon fou. Oh, ce marteau, par contre, il a l'air mais divin. Attends une seconde. On va remplacer le fusil à pompe par le marteau. Il y a combien, 100 200... Putain, par contre, cette matraque 224 de DPS, c'est vrai que je l'ai améliorée en plus. Oh là 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 là. Oh. Ça a l'air vicieux as fuck. Ça ne marche que sur les boissons. Donc, il faut pas acheter des trucs comme ça. Il faut pas acheter les burritos, il ne faut acheter que les canettes en fait, vu que les autres pouvaient pas les décaster pour des raisons qui me sont obscures. Donc voilà, une canette, avec des canettes j'ai fait mon fusil sniper, mon pistolet, j'ai tout fait. Les canettes elles sont divines, et maintenant régalons-nous, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Encore des distributeurs à l'infini, voilà, vous pouvez prendre n'importe lesquels. Moi j'ai remarqué ça change rien, voilà très bien, tu te régales. Tant que je gagne et je joue. Et oui, j'ai l'air de dépenser masse de pognon. Mais je vous jure que dès qu'on trouvera un magasin pour vendre notre merde, ça marche. Pareil, Trapkun. Trapkun, il vend du bon stuff, tu veux. Trapkun, il est délicieux. Voilà, et c'est une astuce que j'ai découvert tout seul, et lorsque j'ai tapé sur internet pour vérifier si je disais ce que je disais c'était vrai, ou parler sur GameFAQs du fait que c'était un bug, tu vois, tout le monde était là, non, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc maintenant, on a une tomo, et j'ai envie de dire, on a tout gagné. Où est la route? Elle est là, la route. Excusez-moi. Je devrais mettre un casque, hein. Je suis vraiment qu'un connard. Hein. Est-ce que je peux avoir... Night FM. Oh là 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 là. Et là on est dedans. Oh là là là. Le frein à main ça sauve hein. Le frein à main ça sauve le game hein. Oh j'adore les jeux qui font des vues intérieures à caméra comme ça. Dans GTA 5 je faisais tout le temps ça aussi. Putain quelle erreur. Sauf que dans GTA 5 je conduisais mieux. Pas vraiment mais bon. Ah vas-y je peux plus accélérer, qu'est-ce qui se passe? Bon attends. Plus d'essence, ça m'apprendra, tiens, à voler du matos. Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut scanner un peu. Oh, c'est le truc qui est dans le trailer. Je sais parce que je l'ai monté. T'as l'air tendu, mon gars. Ça te dirait une déesse Premios? Une déesse? Parce que moi je vous regarde et bon, je sais pas si vous valez le prix d'une vraie déesse, mais en vrai... Est-ce qu'il y a un problème? Ah non, je suis hétérosexuel, je me régale. Vous avez quoi? Tout ce que tu veux, les hommes et les femmes de tes rêves, la crème de la stimulation synaptique. Ici, pas d'acteurs de virtu porn au bout du rouleau ou de poupées camées. On fait du travail d'auteur. De quoi t'emballer le cœur et te griller le système nerveux. Comme de l'extasie numérique. C'est ça que les gens viennent chercher ici. En tout cas, vous savez attirer clients. J'attire personne, je te préviens. Ici, on offre du sur-mesure, du personnalisé. C'est pas pour toutes les synapses. Eh ben... Tu penses pouvoir supporter ça? Ça achalande le chaland à donf, hein, ici, hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est la même modification pour avoir une peau aussi bien huilée. Du sur-mesure? Ouais, ça fait envie. Ok, je marche. Il y a d'abord deux ou trois choses à savoir. Toute captation non autorisée sera sévèrement punie. Logique. Pas de drogue et pas de tripotage. Ça le fait. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. Ok. J'ai vraiment l'air de débarquer. Vous me prenez pour qui? C'est bon, rentre. Amuse-toi bien, mon gars. Bienvenue, Olysis. Merci, mesdames. Enfin, je dis mesdames, mais je présume. T'es à croquer, toi. Bonjour. Et vous, vous êtes à 2 cm de devenir un super saiyan. Mais bonne chance. Oh, attends. Très bien, les Mox, regarde. Oh là 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 là! Oh, c'est un habitué! Eh ben, il a du goût. Hein. Allons-y, hein. Par où? Par là? Non, sans doute pas. Sympathique, sympatoche. Hein. Je vous préviens, je connais des gens.
Attention, observez les mouvements. Hey, la même chose. Moi, dans 10 ans. Ok, très bien, j'ai envie de dégueuler. Vite. Monsieur comme toi, tu veux un truc un peu coquin ou plus hard? Des bougies? Des électrochocs peut-être? Des implants de puissance? Non, voilà ce que je veux. Toi et ta copine, avec talons hauts, bandeau et harnais en cuir. Monsieur! Aucun souci, c'est pour acheter, vous voyez? En l'occasion? C'est combien? Détends-toi, ce sera mis sur ton arbre. Eh mais... Bonjour, est-ce que vous avez des lits renforcés? Parce que j'ai des... Cyber-bio-couilles. Salut. Qu'est-ce que ce sera? Je me demandais... Litzy, c'est le nom de la proprio? Depuis longtemps, non. Et c'est pas une histoire qui finit bien. Ah! T'en as trop dit ou pas assez? Litzy dirigeait une boîte de strip à cet endroit. Ça s'appelait Litzy's Bar. Les filles étaient bien payées et bien traitées. Tout était clean. C'était le bon temps. Ça a pas duré, c'est ça? Non, les Tiger Claws s'en sont mêlés. Un Tiger a cogné une des filles. Ah, saleté de joueur de saga! Litzy lui a tiré une balle dans les couilles à cet enfoiré. Mais le gang a rappliqué le lendemain. C'était fini pour elle. Ah. Mais au final, les Tigers ont fini par lâcher cet endroit aux Mox, non? Ouais, si on veut. Les Mox ont trouvé un arrangement avec eux. Heureusement, elles se sont vite organisées. C'est Suzy Q, la patronne, maintenant. Mais l'enseigne est restée, question de respect. Et les affaires ont repris. Ok, qu'est-ce que tu vends? Y'a quoi au menu? Très bien. Oh putain, il les vend. Oh, il les vend à prix comptant! Oh! Ce mec me vend littéralement de l'argent liquide. Observez. Donc là, j'en achète pour environ, je sais pas, 500 balles de canettes, si tu veux. Ça aussi, parce que ça se vend. Il faut acheter les trucs à 10, hein, pas les trucs à 30, hein, sinon c'est pas rentable. Sauter, je suis sûr, il se décaste. Au pire, on le boira, si tu veux. De toute façon, il est en carton. Le carton, ça fait des implants cyber ultimes. Le carton, ce conducteur, frère. C'est pas conducteur le carton. Attends, mets-le aux commandes d'une voiture et ça fait des loopings le carton, c'est ouf. Le carton, tu fais de la magie avec. Carton, c'est 90% de la société qui t'entoure, frère. Carton, c'est fantastique. Ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il vend? Il vend des drogues? Rien du tout. Ok, je vais lui vendre mon cactus parce que c'est un jus nul. Et puis voilà, vendre la camelote. Voilà, je le fais pour 3$. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai pas de camelote sur moi. Et maintenant, regardez, on va vendre une partie de mes composants. Voilà, 8$ pièce. Voilà, donc j'en vends 750 pour 6000 boules. Bouc, l'argent qui rentre. Et ensuite, les composants simples, où sont-ils? Voilà, j'en ai 2000. On va en vendre un petit millier, 1600, c'est très bien. Pour 8000 balles, bouc, je l'ai. Le vendeur n'a pas assez d'argent, merde. Dépouillé. Je l'ai dépouillé. Je suis venu avec une caisse remplie de câbles Asus. Et le mec, il a tout acheté, si tu veux. Hop là. Très bien. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Tu la demandes? Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Mathéo. Ouais. Et donc, Evelyn? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Mais quel enculé! Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Madame! Oh lolo, lolo, lolo. Bien sûr. Evelyn Parker. J'ai su que c'était toi la minute où t'es entrée. Cul sec. De la Senzone? La seule tequila que je bois. Et comment vous avez su? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça ou alors peut-être que j'ai deviné. Et du coup, vous bossez pour Milfgaard? Pourquoi on se rencontre ici? Y a une raison? En fait, j'ai pas l'impression que ce soit votre genre. Je vais prendre ça comme un compliment. Viens, y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes.
On va au salon, Matteo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Eh ben. Je vous préviens, mademoiselle, hein, mon anus est un sanctuaire. Pourquoi tu me dis pas la vérité ? Fort aimable. Oula ! Je crois que Leia Organa a plus besoin de notre aide. Excusez-moi. Ça a vachement changé Star Wars depuis la dernière fois que j'ai regardé. C'est la version remasterisée, non ? Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il n'exagérait pas tes qualités. Et apparemment, vous exagérez pas vos défauts. Vous mettez de la cendre de clope partout. Enfin. Vous en avez rien à foutre de l'avis de Dex. Vous le savez aussi bien que moi. Tu as du mal à accepter les compliments. Non, mais la flatterie, c'est pas digne de vous. Je me trompe ? C'est peut-être Dex qui n'est pas digne de toi. Ça fait longtemps que tu le connais. Ah, j'ai pas assez de coolitude. C'est bien gentil tout ça, mais je suis pas venu là pour qu'on me fasse de la lèche. Non, tu es là pour obtenir des infos. Des infos qui pourraient changer ta vie. Ah, là vous m'intéressez. Là on parle. Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protéger votre âme. Une technologie clé en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé ? Non. Mais si je voulais, je pourrais. J'ai jamais vraiment trop traîné dans ce quartier, à vrai dire. Dommage. Leurs plats frais sont à se damner. Le chef a sûrement signé un pacte avec le diable. On doit avoir les bonnes augmentations. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste ? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka ? Il est en ville ? Tu lis pas les infos, Doc ? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref, c'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en vie de Saburo Arasaka. Alors Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City ? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie ? Oh là là, ce petit sourire ! Il doit être entouré d'une armée, on s'en bat les couilles. C'est lui ma cible, on s'en bat les couilles. Mais voyons ce qu'elle a dans le... J'attends. Oui, bah, j'attends, mais j'observe, respecte. Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois, mon atout ? Ou il faut t'acheter des optiques ? Enfin, côté optique, je vous rassure, madame, les miens sont hors de prix. Mais non, je vois pas, non. J'attends. Netwatch et Meleasa ? Ils sont censés être neutres. Netwatch assure la sécurité de toutes les corpos, en raflant des millions d'édits au passage. Mais de nos jours, tout le monde veut sa part. Il n'y a pas de place pour les saints. Pour gagner, il faut savoir tout risquer. Il n'y a pas de place pour les saints, mais je vous rassure, madame, hein, les saints ont leur place. Pardon. Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache, alors ? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Ah ! Et elle est où, cette mallette ? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ah, d'accord, c'est l'heure du sexe, maintenant. J'arrive ! Ok. Et maintenant ? Maintenant, on passe au meilleur. Bien ce que je dis. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider ? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nids bars virtuels ? Non, pleure pas. Ça va aller. Je pensais que c'était l'objectif, ouais. Oui.
Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. C'est quand il y a quoi veux... sur cet enregistrement? Oh, putain. La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Oh là là, mesdames, bonjour. Fantastique. Attends, elle est partie où? Merde, j'ai pas suivi. Ouh, attends. Attends, attends, mais on peut scanner à... on peut scanner à donf. Servons-nous. C'est ça. C'est juste un néon. Là, y'a quoi? D'accord, c'est l'arrière. Là, je me signe, c'est... des chiottes. Ok, très bien. Oui. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? Mm-hmm. J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Si ça montre l'appart de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement? Je le connais plutôt bien, en fait. On a un arrangement, strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Oui, c'est vrai que vous avez l'air d'être une femme qui travaille beaucoup. Judy va nous aider. C'est aussi une mox. Et je la connais depuis... des années. Ah non, me remercie pas. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Ok. Relax, ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaires. Enfin, récemment, je me suis surtout tenu à la main, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ah. Mm-hmm. Hop là. Je sais me tenir, mais je vole un short, hein. Qu'est-ce que tu fais? Le respect est mort, madame. C'est moi qui l'ai assassiné. Et pour pas cher, en plus. Hein. Mm-hmm. Mais bon. Good enough. Mais excuse. Ah, c'est la fille du bar. Ah, vous voilà. Bonjour. Je présente V. Il est là pour la DS. Et V, voici Judy, la meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Eh V. Rempli de signaux sensoriels, moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles. Que du matos de pro. Presque tout a été personnalisé. Seuls les boîtiers sont d'origine. T'as tout modé toi-même? Qu'est-ce que t'en dis? Ce traducteur d'expression, c'est un Fuyutsuki, c'est ça? Je croyais que les matrices de cette série étaient toutes défectueuses. Elles l'étaient, mais c'est facile de remplacer une matrice. Et c'était le seul modèle qui permettait de rajouter des outils de scan. Ouais, désolé. Pardon, madame. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. Vous en faites pas, madame. Hein. Pour la profondeur, 18 cm devrait suffire. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Street qu'on doit se taper des fois. Ah bon. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil, qu'il fouine un peu. Ok? T'en dis quoi, V? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé? Jamais en prenant, en n'étant pas la brute, si tu vois ce que je veux dire, mais enfin. J'en suis pas à ma première DS, mais brute comme ça, c'est tout nouveau pour moi. T'inquiète, je vais tout t'expliquer. C'est plus simple que ça en a l'air. Allez, pose-toi, installe-toi bien, et on va commencer. Est-ce que... est-ce qu'il faut que je me mette cyber à poil? Parce que j'ai des implants qui sont assez durs à enlever, en fait. Ah. Ah, ces chaussures de retour vers le futur. Et te gourre pas de programme, hein. La dernière fois, je me suis retrouvé dans des bains russes, hein. Le mec s'était trompé de bouton. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement.
Mm-hmm. Ouais, c'est flou. Et c'est le DLSS. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Et vous venez souvent par ici? T'as beaucoup de demandes comme ça? Sans arrêt. Mais c'est souvent des trucs que les filles projettent au club. Je fais du réglage de porno ordinaire. Pour booster les orgasmes? Plutôt pour faire le vide. Baiser, c'est la routine pour les clients. Leur esprit s'égare. Ils pensent aux courses, à l'anniversaire de madame, aux factures en retard, ce genre de trucs. Mais ça n'empêche pas de reconfigurer les choses, de façonner les émotions pour rendre leur expérience unique, inoubliable. Alors, je vais pas me plaindre. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Est-ce que tu peux me faire voir des orgasmes en achetant des canettes? Voilà. C'est prêt. Parce que ce serait révolutionnaire. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Bah écoute, allez, j'aime les surprises! Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft, que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3, 2... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Ok, donc on joue une petite frappe. Couchez-vous, face contre terre. Je veux voir lécher le sol. Le fric, vite. Ou je te jure que je te bute. Oui, je vais. Allez, avant que je t'explose ta putain de tête. Ils utilisent encore de l'argent physique? Je pensais que tout se payait en cyberdollars. Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Par contre, ça n'explique pas mon érection. C'était... trop intense. J'ai senti... J'ai ressenti la douleur de ce Zig, son stress, de l'espoir mélangé à autre chose. Il a probablement pris un booster juste avant. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Ah putain! La prochaine fois, est-ce qu'on peut me mettre dans un truc un peu plus cool? Genre où je suis chirurgien ou... Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Ok. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. Ça, c'est trop bien! Entre, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, figé! C'est Nova, non? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine jusqu'au tout début. Ah, c'est trop bien! C'est comme dans... Bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. C'est comme dans ce film classique, la Blade Runner! Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. Je tiens, mais voilà. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement, pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Ok. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. Ok. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. Non, tu piques le DS à l'époque.
Et oublie pas, t'y vas à fond. Ça va bien. Ils nous fileront une rallonge pour un bon. Mais attends, reviens. Boost d'adrénaline. Bon. Attends, on va accélérer. Allez. Juste cette comporte. Voilà. Juste là. C'est là où il le donne, ok, super. Les sections en gras sur la prise indiquent la présence d'un indice que vous pouvez scanner. Ah. Les indices peuvent se chevaucher. La piste de l'endroit sauvage sera particulièrement brillante. Après avoir scanné, les indices disparaissent de la piste. Ok, tout s'explique. Couche visuelle, couche thermique et le dernier, j'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Couche sonore, ok. Très bien, donc. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Avec Shift, parfait. D'accord. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Dans le magasin, j'ai le droit d'aller dans le magasin? Ouais. Un paquet de clopes, une caisse de brodef et deux affaires. Ok. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Couchez-vous! Alors, t'en dis quoi? D'accord! C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond, puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Je vous vois là, vous pouvez. Rien d'autre que ça! Disons que c'est les limites de la réalité enregistrée par le filmeur de DS. L'éditeur te laissera pas en sortir. C'est plus clair? Allez, putain, t'es chié! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Ok. Et du coup, voilà, très bien. Et enfin, couche disponible. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Ça déchire! Maintenant, on attend que le Zig frappe le pommard au comptoir. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Je te jure. Ah, et c'est elle qui se relève et qui lui met une balle ou pas? T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Bah, j'ai rien vu. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Caméra de surveillance. Ah. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Waouh, mais c'est ouf! J'en veux une épreuve tout de suite! Faites un zoom! Oh là 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 là! Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de DS sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. D'accord, alors j'ai pas la version, comment ça s'appelle, infrarouge pour l'instant, mais j'avoue, c'est Fumax, hein. Voilà, surtout qu'on le voit pas, mais... Book. Oh là, oh là 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 là. Book. Oh là 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 là. Ah, c'est génial, hein. Après, j'ai peur que ce soit comme dans Remember Me et qu'il y en ait, que tout le jeu soit basé là-dessus et qu'il y en ait genre deux, tu vois. Dans l'entièreté du jeu. Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Eh, c'est un noble art! Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Vas-y! Je sais pas. On peut faire une pause? Pas de pause! V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve.
Evelyne, je tirerai que dalle de cette déesse anti-bug. Judy, s'il te plaît. Eve, elle veut laisser un runner se brancher. C'est quoi qui t'échappe là-dedans? Et merde! Qu'est-ce qui me dit qu'elle fera que se connecter à cet enregistrement? Moi. Je te le garantis. Ouais, c'est ça. Aide-moi. Une dernière fois. Je te promets que tout se passera bien. Comme prévu. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Super. En plus, elle devrait être parfaite au milieu de vous, hein, parce que sans déconner, elle a la tête à l'emploi, elle aussi. Le retourne, V. T-Bug! Allô? Décroche. Dieu merci. Salut, V. Quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance, Bug. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu pourrais recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... c'est est-ce tout que bon. T'as installé l'IPv4? Bah, IPv6? Ça ne marchera jamais! Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. Ok. T'es qu'un vulgaire bouillon de baisable. Evelyne, j'ai senti sa peur. Mais elle a vite réussi à se reprendre. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Non, mais je suis au courant de ça. C'est juste que pour l'instant, on laisse pisser. Pour l'instant, on laisse traîner, si tu veux. Nous serons bientôt fixés. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. C'est tellement stylé les accents dans ce jeu, putain. Vous allez écouter ça. Sabro est un despote. Pas mal le champion. Qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Putain, boomer contre zoomer, le combat éternel. C'est noté. Il a raccroché. Retourne au début de la conversation. Faut que j'entende absolument tout. Ouais, bah, pour l'instant, t'auras absolument rien. Pas tout. Désolé pour l'attente. Les affaires, c'est parfois pénible. Tu as fait vite. Mais... je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que... tout va bien? Tu as l'air un peu... tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'imposer quelque chose à moi? Juste une chose. Concentre-toi. Sur moi. Il te reste des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. D'où Jésus? Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Oh là là. Et les gens qui gardent des mouchoirs dans la table de nuit. Lui, il garde sa LSD. Hein. C'est riche, je vous jure. Oh, les options romantiques! Très joli. Allez, viens pas ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Oh, ça devrait te plaire. Il y a un message qui est passé en vitesse, là. Oh là 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 là, ce jap spreading! Le mec, il a un 8 places, ça lui suffit pas. Oh putain, j'ai vraiment l'impression de... V, la mission, concentre-toi. Merci, T-Bug. Tu m'as manqué, toi. Je sais. Ouais, fin de l'enregistrement, et c'est tant mieux. Bon!
Let's go! Déjà, 96% de modifications cybernétiques. Hein. Oh là 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 là! Il déchire un petit peu tout le machin. Fais voir. Ça respecte rien. Ok, très bien. Par contre, visuel. Il y a des choses visuelles à analyser. Quid. Aha! Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Des caméras bourrées de nouvelles tech. Capteurs de mouvement, activateurs de signature thermique, IFF. T'arriveras à tout neutraliser? Avec mon talent? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. Alors ça, je peux l'analyser ou pas? Ah, système d'alarme. C'est bon. Le micro-logiciel d'alarme est récent. J'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. Vulgaire bouillon baisable. Pardon, ça me fait marrer. Ce robot, il est ouf. Laissez ma tête. Alors. Est-ce qu'on peut avoir toute la conve? Comment on fait pour analyser? On reste pas juste dessus? Voilà. Veuillez laisser ma tête. Alors, créez pour. Voilà, c'est bon. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Une bonne cause. Et là, la conversation téléphonique, let's go. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer les risques. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Sabro est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. D'accord, et ça fait du sens. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Ouais, on y travaille. Alors attends. Avance rapide. Pour l'instant, ça se roule des pelles, ça se touche un peu. Voilà, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois, bébé? Oh, c'est beau ça, c'est juteux, qu'est-ce que c'est? Tourelle automatique, c'est pas juteux. Tourelle automatique, scanner dernier cri, système tous reliés au serveur. Tu peux les couper? De l'extérieur, impossible. Faut que j'entre, je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead, y'a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. Merde, il nous faut le drone du coup. On peut pas les contourner nous-mêmes? Non. Je sèche sur ce coup. C'est pas grave. Du coup, on aura juste besoin du drone, mais... Ah putain, ça la rend pas floue pendant une seconde. On peut voir la gueule qu'elle a, c'est cool ça. Oui. Ah non, j'arrive pas à mettre la pose dessus. Tant pis. Il doit y avoir un mode photo, mais je sais pas l'activer pour l'instant, donc c'est pas grave. Blablabla, 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 blablabla. Voilà, et pendant qu'elle bidouille ça là, y'a pas moyen de... Alors, ne cliquez pas sur les inhales pour un nanogel d'agrandissement du pénis, d'accord? Monsieur Arasaka. Merde, reviens. Je veux un truc qui soit parfait. Comme toujours, nous vous remercions d'avoir recours à nos services. Nous espérons que le cloud puisse rendre votre séjour un incitif plus agréable. Donc c'est le Visico Clouds, d'accord? Et ça c'est quoi ça? Agrandissement du pénis, mais c'est pas possible! Trop de messages d'agrandissement du pénis. Ah, le Liberty. Gros bébé, hein. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce crasher est là. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Ah, la tablette. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial.
La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Alors ça c'est des lampes, ça c'est un gars. Donc là ils se mettent à baiser, c'est bien. Voilà, super, on a trouvé des tas de choses. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de ce perso. Ok, très bien. Où est-ce? Où qu'est-ce? Où qu'est-ce? Chou qu'est-ce? Oh la vache, les lézards et tout. Où sax? Où sax? Là, qu'est-ce qu'il sait? Oh, du Donagi. On dirait que monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Ok, c'est cool, mais... Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans? Oh bah... Ça risque pas. La température est trop basse, elle pourrait varier, mais bien tenté. Écoute, hein. Vous périrez pour une bonne cause. Mais vrai, je n'ai plus une bonne cause. Ok, qu'est-ce que voilà? Là-bas! Il y a un truc là-bas, c'est quoi ça? Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la... Ah ah! Pas mal, pas mal, pas mal. La mallette de Yorinobu est là, aucun doute. On l'a, bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Attends, attends! Nous serons bientôt fixés. Attends, sœur, tu peux pas me laisser comme ça! Ça, c'est quoi ça? Juste un frigo high tech. Ah! Bon, bah tant pis. Et enfin? Il pourra vous expliquer. Mon père est un aveugle et fatigué. Qui court après un chagrin. Et qui doit vivre des dames. Honnêtement, c'est super, hein! C'est mieux fait que dans Remember Me, hein. C'est chaud. Hein. C'est vraiment... J'ai l'impression... Quelqu'un qui a joué à Blade Runner, le jeu des années 90. Honnêtement, on y est. Hein. Moi, j'y crois. Hein. C'est fantastique. C'est super bien foutu. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, de la clim. D'accord, bah, on s'en fout. Air conditionné, un modèle standard pour les hôtels de ce standing. Bon, bah, j'ai tout, alors. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Good enough. Good enough, bébé. Eh ben, écoute. Oui. Oh là 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 là. Comment je fais pour partir? C'est bon. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Merci. J'aimerais pas que je sois enregistré dans Evelyn. Sauf votre respect, madame. Regarde-le, je vais mettre ça sur l'ardoise dev. Cool! C'est un appareil portatif de gestion de DS, j'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. Tout... En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser? Je suis pas recherché par les flics, je vous jure! Vous me faites penser à deux morts en sursis. Ah, juste ça! Bon bah ça va, ça va, ça va. Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'il se pointe ici, Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Ah. Si jamais il se rapplique là, qu'elle dit. Bah si jamais il se rapplique là, je vais être sincère. J'en ai rien à foutre, même si ton manspreading, il est pas mal. Oh, t'en fais pas. Je ferai rien qui risquerait de t'attirer des ennuis. J'espère quand même qu'on se reverra. Ça dépend. De quoi? Si t'es seul ou si t'as de la compagnie. Genre une netrunner. Il y aura pas de runner. Juré. Salut. Juste moi et moi Cyberby. Pardon, excuse-moi. V, viens avec moi. Qu'est-ce que tu me veux? Il faut que je termine l'épisode. J'avais promis des épisodes de 45 minutes et à chaque fois, ça fait une heure. C'est trop long, madame, c'est trop long. Alors, t'en dis quoi? Bah... J'en dis que je m'en bats les couilles, vous faites bien ce que vous voulez de votre corps, on est en 2077. Bon, et maintenant? V...
fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Hein ? Sans intermédiaire. Sans Dex. Mais Dex... Vous voulez baiser notre fixeur. Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il ne nous sert plus à rien. Evelyne, faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qu'ils respectent. Si on la joue finement... Peu importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs ou devenir une légende du jour au lendemain? À toi de choisir. Je pourrais être une légende en butant tous les désosseurs. Ça le ferait, ça. Enfin. Mais la réponse est non. Il m'a laissé entrer dans sa voiture. Hors de question. Dex a pris des risques en me choisissant. Il me fait confiance. Mais moi aussi, j'en fais autant, là. 50%. Avec une somme pareille sur ton compte, tu pourras te passer de Dex. Mais pas me passer d'honneur, madame. Non, Evelyne. C'est pas qu'une question d'argent. Je croyais que t'étais un merc. Que c'était toujours une question d'argent. Je trahirais pas la confiance de Dex. Désolé. Bien. Oublions ça. Mais V... Quoi ? J'espère que ton efficacité est à la hauteur de ta naïveté. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Ouais. Et quant à vous, madame... Allez, vas-y. Tu dois voir deux ou trois choses avec Judy. J'espère que votre esprit est aussi ouvert que votre col. Je pars la tête haute. Merde, c'est pas une porte, c'est juste un placard. Comment ça se présente, monsieur V? J'ai... L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Cone Peaky, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé, elle fait travailler ses doigts de fée. Et le Flathead? Rien encore. Mais je m'en occupe. T-Bug dit qu'on a aucune chance de voler la puce sans ce bot. Alors au travail, monsieur V. Ça va, ça va. J'y travaille. Alors, je dis j'y travaille, mais je me suis infiltré dans un endroit qui est absolument interdit, je sens. Ah non, c'était juste le... Ah, d'accord. Va chier, merdeux. Merci, madame, j'ai passé un moment exquis. Alors tente, oui ou non? Non, madame, ça ira, madame. Quoique, est-ce que je peux vous... Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux vous avoir, vous, madame? Non, c'est pas possible. Bon, eh bien, écoutez, on a échoué lamentablement... Eh bien, écoutez, je vous remercie... Et je vous fais de gros bisous sur cette moto qui a été designée par Marc Dorcel. Gros bisous à tous et je m'enfuis à la vitesse d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Allez, zou.